Dans l'organisation de la ruche d'abeilles, la recherche méthodique du nectar et du pollen des fleurs par les ouvrières nécessite un mode de communication entre elles. Quand une butineuse a localisé une source d'alimentation, elle retourne à la ruche et communique l'emplacement de sa découverte au moyen d'une série de mouvements codifiés que l'on appelle « danse des abeilles » effectués sur les rayons verticaux de la ruche. Si le lieu repéré est proche, l'abeille réalise une danse circulaire en changeant de sens plus ou moins fréquemment. Les autres ouvrières la touchent de leurs antennes pour identifier l'odeur du pollen et partent aussitôt à la recherche de la fleur détectée. Si la localisation est plus éloignée, une figure différente est exécutée, la danse frétillante. L'abeille décrit successivement deux demi-cercles en passant par une ligne droite où elle agite son abdomen et émet un bourdonnement avec ses ailes. La durée du trajet rectiligne et la fréquence des frétillements indiquent la distance jusqu'à la source. L'angle formé par la ligne droite et la verticale montre la direction. Cet angle est égal à celui que forment la source d'aliments et le soleil par rapport à la ruche.